What's up mes genoux, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma petite maman. Et moi depuis mon passage en Afrique, j'ai appris quelque chose de tellement important. Ce n'est pas les biens qui fait le plus grand bonheur, mais de passer du temps avec sa petite maman et de lui dire à quel point on l'aime. Alors moi l'une de mes forces, ben c'est les vidéos. Alors, aussi bien lui montrer une vidéo. Ma petite maman d'amour, pour ton 50e anniversaire, je vais faire quelque chose de spécial. J'ai appris à chanter. Non, c'est pas vrai. J'ai demandé à ton animateur radio favori de te chanter une petite chanson. Ça va casser. Merci! Oh, ma petite Jojo! 50 ans de vie, presque 23 à tes côtés. Et moi, le 1er mai, était toujours encerclé mon calendrier. Ça voulait dire qu'il y avait toujours un gâteau de fête sur le coin de la table et que je pouvais me bourrer la face dedans. Et plus jeune, faut se dire les vraies choses, j'étais pas le gars le plus talentueux. Ah oui, ça c'est moi, un ski! Et ma mère, y croyait! Hey, les gars, ils vous vont en ski! À la natation, mon frère, qui est un an et demi mon cadet, partait avec des milles en retard, mais il finissait toujours par gagner. Et comme mon frère me battait partout, dans toutes les disciplines, ben j'essayais de prendre les grands moyens afin de le vaincre. Et celle-ci a failli fonctionner. Jusqu'à temps que ma mère intervienne. Ma mère a toujours cru en la légende de Jimmy. La légende de Jimmy. Et aujourd'hui, à 22 ans, je suis tellement heureux d'avoir réussi à trouver ma voix. Et ça, c'est en grande partie grâce à ma mère, qui est devenue ma confidente. Je l'appelais à l'autre bout du pays alors que j'étais à Winnipeg ou encore en Alberta pour lui faire part de tout ce que je vivais là-bas. Ma mère faisait les allers-retours entre Drummondville et Kapuskasing pour venir me porter à manger. Je mangeais 4 fois par année. C'était quand on faisait 12 heures de voiture pour venir me voir dans le nord de l'Ontario. Ma mère a été vraiment ma super-héros. Dans les temps plus jeunes, alors que c'était vraiment difficile, je vivais énormément d'intimidation. Ma mère était là, comme elle était femme au foyer, elle venait me chercher pendant les pauses de goûter pour pas que je subisse encore une fois l'intimidation parce que j'avais une énorme séparation entre les dents. Et, ben, les gens s'en moquaient énormément. Ma mère était là pour venir me chercher, pour me dorloter, pour m'accompagner. Dans mes moins beaux moments comme dans mes plus beaux. Et je lui dis merci. Ma petite maman, merci d'être qui tu es. Merci. Ouais. Mais ça ne s'arrête pas là! Parce que y a ton chanteur préféré qui t'a fait une petite chanson! Oh, ah. Ben Justin! Elle aura 50 ans. Elle se nomme Joanne Bertrand, un petit gars qui a vécu au Manitoba. Elle écoutait à chaque matin avec Doudoune, se sentait bien. La Jim veut lui offrir comme cadeau le beau Justin. Bon anniversaire, bon anniversaire. Bon anniversaire, cher Joanne. Bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire. Cher Joanne. Merci. Bon anniversaire. Oh. Alors voilà,
c'est là qu'on se rend compte que finalement c'est la présence, être aux côtés de la personne qu'on aime le plus et lui dire, j'arrivais pas à le faire en personne, mais je l'ai fait en vidéo, mon nom est Jim Chan, et c'était ma mère qui célèbre ses 50 ans! Sur ça, je vous dis ciao ciao, bye bye!